le mauvais temps est encore présent sur l'Olympia's Tour pour cette quatrième étape, 161 km entre Neede et Tille, avec d'abord 60 premiers kilomètres tout plat où 4 coureurs vont constituer l'échappée matinale. Obzak, Van de Vekel, Portsmouth et Virout, ils vont être pris à 90 km de l'arrivée après la petite section vallonnée que vous avez vue précédemment. Le peloton va rester groupé afin de rejoindre le circuit final, mais avant ce circuit final, 4 coureurs vont tenter leur chance, mais ils seront repris à environ 40 km de l'arrivée par un peloton d'une quarantaine de coureurs. Le circuit final donc à Tille est plat, et on va voir donc l'attaque de 2 coureurs à 30 km de l'arrivée, Lineze et Clarisse. Ils vont bien résister au peloton puisqu'ils vont se disputer la victoire, ces 2 coureurs derrière le peloton emmené par l'équipe Uno-X Développement. Enzo Lines du DSM Développement est parti à 2 km 500 de l'arrivée et a donc remporté en solitaire cette étape devant son compagnon d'échappée Magnus Clarisse. Derrière, eh bien, du côté du peloton, il a franchi la ligne avec 49 secondes de retard, un peloton réglé par le Letton Martins Pluto devant Alexander Solby et Lars Boven. Et du côté du classement général, Emil Vigneboe conserve les commandes avec 4 secondes d'avance sur Boven et 20 sur Otema. Ciao tout le monde.